enfants, j'espère que vous allez bien encore cette semaine. Les amis, je suis contente, on a encore reçu de beaux dessins. Mais avant, les amis, il faut que je vous demande, allez-vous être au rendez-vous cet après-midi avec Madame Sylvie sur Zoom? J'espère bien, c'est à 14h, 2h. Alors, pour ceux qui écoutent la vidéo en différé, on parle bien de dimanche, le 17 avril, et c'est à 14h sur Zoom. Bonjour les enfants! Alors, les amis, est-ce que vous avez hâte comme moi de voir la fin de l'histoire de la semaine passée? Oh, moi, je tenais plus en place cette semaine, j'avais vraiment hâte! 3 jours passèrent en ayant l'impression qu'il n'y avait plus d'espoir. Mais très tôt, le dimanche matin, les femmes qui prenaient soin de Jésus sont allés voir son corps et trouvèrent sa tombe vide. Et Jésus n'était plus là. N'ayez pas peur, dit l'ange. Jésus n'est pas là. Il est ressuscité. Les femmes se souvinrent alors que Jésus leur avait dit qu'il reviendra à la vie le 3e jour. Elles coururent dire aux disciples ce qu'elles avaient vu et entendu. Puis pendant les 40 jours qui suivirent, Jésus apparut à ses disciples et à beaucoup d'autres et leur montrèrent qu'il était vivant et bien portant. Il leur apprit que ce qu'il a fait était le seul moyen pour eux d'être pardonnés et d'être avec Dieu pour toujours. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Super belle chanson, est-ce que vous voulez chanter avec moi? Surtout qu'on est joyeux, parce que Jésus est le ressuscité. L'histoire, elle se termine bien, n'est-ce pas les amis? Alors, on s'en va chanter ensemble.
Bonjour les enfants, j'espère que vous passez une bonne semaine. Les amis, aujourd'hui, c'est un jour spécial. On célèbre le fait que Jésus, il est ressuscité. Alors voici le verset que j'ai pour vous. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » Dans Jean 11, 25 et 26. Wow! Ça, c'est tout un verset, les amis, n'est-ce pas? Passez une bonne semaine et joyeuse Pâques! Les enfants, regardez bien le dessin que vous avez cette semaine. Pendant que vous le dessinez, moi aussi j'ai trouvé une chanson que je voulais vous partager. Le chanteur, il s'appelle Matt Marvin et la chanson, elle s'appelle « Christ est ma lumière ». Parce que c'est vrai, Christ est la lumière de notre vie, n'est-ce pas les enfants? Alors bon coloriage! Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie qui libère, son nom est saint. Son amour,
Où sont Sally et Pipoave? Un matin de printemps. Ce matin, Sally et Pipoave sont dans le jardin en compagnie d'un poussin. Chacun se trouve à un endroit différent. Sally est sur le seau. Pipoave est entre deux œufs. Et le poussin est sous le tabouret. Pour s'amuser, ils changent de place. Où sont-ils maintenant? Le poussin est à côté de Pipoave, devant l'œuf bleu, et Sally est dans le seau. Maintenant, jouons. Sally et Pipoave sont allés derrière les œufs pour jouer à cache-cache. Sois attentif et compte leurs apparitions. Combien de fois apparaissent Sally et Pipoave? Sally est apparue 3 fois et Pipoave est apparue 2 fois. Cette fois-ci, le poussin se cache. Sois attentif, il est rapide. Combien de fois apparaît le poussin? Le poussin est apparu 6 fois. Nouveau jeu! Compare les deux images et trouve les 7 différences. Voici les réponses. Pipoave est devant le tabouret. Un lapin est caché derrière l'œuf bleu. L'œuf vert est à l'envers. La jonquille a été déplacée. Un œuf a disparu. Sally s'est tournée sur le côté. Le poussin est sur le bord du seau. Jeu d'observation. Ce matin, Sally et Pipoave cherchent des œufs dans le jardin. Il y en a 7. Où sont-ils? Les voici. Les œufs sont maintenant rangés. Parmi ces 4 paniers, lequel contient tous les œufs? La réponse est celui-ci, car il y en a 7 au total. Pour le prochain jeu, nous n'avons pas besoin de l'œuf de couleur unie. Lequel est-ce? Le vert. Jouons avec les 6 œufs restants qui ont chacun des motifs différents. Où se trouve l'œuf avec des étoiles? En haut à droite. Où se trouve l'œuf avec des nuages? En bas à gauche. Où se trouve l'œuf avec des losanges? En haut à gauche. Où se trouve l'œuf avec des triangles? En haut au milieu. Jeu des 7 erreurs. Compare les deux images et trouve les 7 différences. Voici les réponses. Sally s'est tournée vers Pipoave. La fleur est d'une couleur différente. Le poussin s'est déplacé. Il y a une branche de fougère derrière l'œuf. La jonquille est tournée de l'autre côté. Un œuf a disparu. Le petit sucrier est présent. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt, Wistiti.
bonne semaine, les enfants. J'espère que vous allez passer une belle journée. Mais n'oubliez pas de venir trouver Madame Sylvie à 2h sur Zoom. Dites à papa et maman, va chercher le lien, s'il vous plaît, papa, maman. Je veux aller voir Madame Sylvie. Bonne semaine, les amis. À la semaine prochaine. Thank you.